Je dis depuis de nombreuses semaines maintenant au sujet de l'OM, je veux aller jusqu'au 31 août. Le 31 août, on fera un bilan, on regardera l'équipe et on essaiera d'envisager ce que l'OM peut faire cette saison. Si vraiment le top 3 c'est jouable, ça j'ai du mal à croire à ça. Le top 5, ça me paraît en revanche bien plus abordable. La Ligue Europa, qu'est-ce que l'OM pourra y faire? Attendons le 31 et voyons quel genre de recrues peuvent arriver, quel genre de renfort. Je pense que l'OM a besoin de joueurs intelligents, un par ligne. Il n'y aura pas de crack, il n'y aura pas de star. Il faut que ce soit du bon petit joueur, efficace, intelligent, qui s'intègre vite au collectif. T'as besoin de... Après, il faudrait en gros deux autres, un Luis Gustavo de l'attaque et un Luis Gustavo de la défense, ouais, grosso modo. Tu mais vois. Moi, je suis d'accord avec j'ai, toi. J'ai peur que ce soit dur à trouver. Parce que quand l'avant-centre, il n'a pas le choix. S'il ne marque pas... Il est catalogué. Et tu vas aller prendre qui comme mec qui est meilleur que Germain et qui va aller pousser Germain sur le banc? Mais moi, ce que je veux te dire, c'est que moi, je serais les dirigeants. Par rapport au début de saison de Germain, qui confirme, qui est important, on a d'autres priorités. On a l'attaquant, il nous marque des buts. On a les priorités, peut-être dans le cœur du jeu, dans le milieu de terrain, et surtout derrière. Et c'est là le plus important de renforcer. Là, donc après, tu dis, ils prennent un attaquant... je sais pas, j'ai sorti l'exemple comme ça, de Préville. Je trouve que c'est une connerie. Voilà. Et... Non, mais il faut en prendre un quand même. Moi, pas forcément. Moi, tu joues avec Germain, il doublure au Campos s'il faut mettre un 9 ou Clinton. Clinton, il a mis des buts, regarde. Et à l'arrivée, il était blessé. Dans ces cas-là, il faut qu'ils expliquent ça. Et alors, dans ces cas-là, qu'ils foutent l'oseille sur un grand défenseur. Exactement. Mais il est où le grand défenseur? Où est-ce qu'ils sont, les grands défenseurs? Après, c'est compliqué, mais c'est toujours pareil. Mais après, il y a une liste, il y a des noms, vous avez des noms en tête. Non, mais t'as pris Zubizarreta, c'est pour te structurer un peu. Il a ramené un joueur, Zubizarreta, ou pas encore? J'espère qu'il va en ramener. À mon avis, il n'était pas là ce soir au match. Il a ramené Evra. Je te signale que c'est lui qui a négocié pour Evra. Ah, mais c'est vrai. Tu me demandes. Je te dis qu'il a ramené Evra. Non, mais sans déconner, il a ramené qui? Bah, Evra. C'est hallucinant comment ils ont essayé de recruter certains joueurs. Comment ils ont traîné, quoi. Ouais. Ils se sont mis à genoux. Comment ils ont traîné et ils se sont dit, on va tenter celui-là, il faut absolument le faire. Ils sont partis un peu dans tous les sens. Bah, avec Seri, notamment. C'est un petit peu en boîte, c'est à 14 du mat en boîte, quoi. Je te parle même plus de Seri. Là, je ne te parle pas de Seri, je te parle d'un autre joueur. Et je vous dis, quand je pourrais le dire, je dirais le nom. C'est incroyable. Et après, ils se sont mis. Donc, ils ont trouvé l'accord avec Dembélé. Donc, ils ont arrêté leur connerie d'aller voir un peu tout le monde. Donc, ils veulent pas relancer Verratti, là? À mon avis, je pense que la relation entre les dirigeants, la meilleure nouvelle pour le PSG, ce serait de se débarrasser de lui. Alors maintenant, j'aimerais qu'on passe, et ça vous ils vont prendre Fabinho va prendre sa place. Verratti sur le banc, à part faire chier le monde, je vois pas ce qu'il va faire. Il a pris trois matchs parce qu'il a mal parlé à l'arbitre. Fabinho, il va pas venir. Il y avait une chose qui devait clairement 80 millions, il fallait vendre.